Un hommage à Claude Nougaro avec le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne et l'Imagicène Centre culturel a lieu ce samedi soir 18 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Terrasson. Le saxophoniste Denis Gauthier va diriger musicalement cette soirée, sur scène également, avec les jeunes de l'antenne du Conservatoire Vallée-Vézère, Sarladé, autour de Terrasson et de Montignac. Il nous parle de ce spectacle. C'est un projet d'école, donc il y a 70 personnes sur scène à peu près. Il y a un orchestre avant, d'harmonie, 25 personnes. Il y a un ensemble à cordes d'une dizaine de musiciens. Il y a un groupe de rock avec deux guitaristes, je ne sais pas, des fois ils sont trois, ça dépend. Basse, batterie. Il y a une chorale d'enfants avec une vingtaine d'enfants. Et puis bon, après des intervenants, voilà. Le spectacle, en gros, c'est un hommage à Claude Nougaro. Donc on joue ou on chante, ou on joue et chante, c'est mélangé un peu, des chansons de Nougaro avec un fil conducteur et un travail qui a été fait de mise en spectacle par Michel La Salvetta, qui est un acteur de metteur en scène, enfin il fait de travail de théâtre. Et donc, il est venu mettre du liant. On a écrit des textes pour lier un peu ces musiques-là, qui reprennent des thèmes importants de Nougaro. Le voyage, les femmes, l'amour, l'Amérique, le jazz, l'Amérique du Sud, le Brésil, tout ça. Oui, j'imagine qu'il y aura quelques classiques de Nougaro, Cécile par exemple. Voilà, Cécile, Toulouse, le jazz et la java. Armstrong, ah bah oui, évidemment, Armstrong. Alors je crois que c'est un spectacle qui est bien rodé, parce qu'il a déjà été joué. Il est bien rodé parce qu'on a fait trois représentations, mais c'était l'année dernière et du coup la reprise l'année d'après, on marche en année scolaire, donc il y a des élèves qui sont partis, d'autres qui sont, finalement c'était rodé l'année dernière, mais là ça va être presque une première à nouveau. Alors avec vous, il y a bien sûr David Gourva que tout le monde connaît ici. Voilà, donc il y a David Gourva qui dirige l'antenne Vallée-Vézère. Et il y a la quasi-totalité des profs de l'antenne, profs de cordes, profs de vent, tout ça. Et puis les chorales, voilà, les classes de formation musicale avec les chorales d'enfants. C'est un spectacle qui fait une heure et quart à peu près. Et donc Claude Nougaro, que j'incarne, fait le lien un petit peu entre les morceaux. Donc on a écrit des textes où il parle et ça permet de présenter ou de donner une piste sur les morceaux qui suivent, quoi. Vous l'avez peut-être vu vous-même sur scène. Quatre fois, ouais, je l'ai vu quatre fois. La première fois, j'avais 18 ans et la dernière fois, je devais en avoir 50. J'ai toujours été un fan de Nougaro. Au départ, je voulais pas incarner Nougaro. On cherchait un acteur plutôt pour le faire. J'ai pas la prétention du tout de chanter bien. Et en travaillant avec Michel La Salvetta, un jour, il me dit, mais je l'ai Nougaro. Parce que je parlais un peu, et puis il me dit, mais c'est toi, tu vas le faire, tu vas faire Nougaro, en plus tu vas aimer ça. Et effectivement, j'adore faire ça, mais voilà, après on se heurte quand même à l'idole, enfin, au monument, parce qu'il avait une voix exceptionnelle, quoi. C'était le saxophoniste Denis Gauthier qui nous parlait de la soirée de samedi soir, donc ce samedi 18 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Terrasson. C'est un hommage à Claude Nougaro avec le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne. L'entrée de cette soirée est gratuite, mais il est préférable de réserver sa place au 05 53 50 13 80.